Aujourd'hui, on est à Marrakech et plus précisément pas loin du barrage de Lalla Takerkoust que je vous fais découvrir ici. Très jolie vue comme vous le voyez, mais bon, on n'est pas venu ici pour regarder que ça. Du coup, on va rentrer, on va aller à l'intérieur, c'est beaucoup plus simple. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que il y a un événement, j'ai pas très bien compris, je vais en savoir un peu plus tout à l'heure. On va parler de relais, enfin de trucs bivouac, j'ai pas très bien compris, donc je vais y aller voir. Donc là, c'est restaurant chez Amarous. Voilà. Donc, c'est assez compliqué à trouver, hein, pour être honnête avec vous. J'ai pas trouvé facilement. En fait, je suis venu vraiment en mode inconnu, c'est-à-dire que j'ai avancé au fur et à mesure. Et je me disais, vas-y, on sait jamais, peut-être que ben il y a peut-être quelque chose, et au fur et à mesure que j'avançais, ben j'ai découvert ce resto et je me suis posé tranquillement et puis j'ai mangé ce que vous allez voir dans un instant en vidéo. Alors oui, la vidéo elle est montée à l'envers, hein, parce que il a fallu que je voie, que je me dise qu'est-ce que je peux filmer, qu'est-ce que je peux vous montrer. Donc tout à l'heure il y avait un groupe de gens qui faisaient du quad, je me suis dit tiens, ça peut être sympa, enfin du tout qui est buggy et quad en excursion, etc. J'ai entendu dire que ce matin ils venaient parcourir 40 km déjà. Je pensais pouvoir en faire, mais non, c'est pas ici le point de départ. Mais en tout cas, il y en a, ils sont en train de se faire plaisir là-bas. Comme vous le voyez, on fait du jet ski ici. Donc au bout là-bas, vous avez donc le fameux barrage, hein. D'accord, le fameux barrage. Pour info, le premier barrage, je crois, au Maroc, d'après ce que j'ai appris tout à l'heure. J'espère qu'on va pas m'étonner. Et regardez cette somptueuse, magnifique, splendide vue que l'on a. C'est juste formidable, quoi. Vraiment, le Maroc dans toute sa splendeur. Vous avez vu ça? Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un événement au-dessus. Voilà. On y reviendra, vous inquiétez pas. Là, j'ai envie de vous faire découvrir un peu le restaurant dans lequel on est rentré. Alors moi, j'ai pas été intelligent parce que je savais pas comment venir ici en voiture. Du coup, j'ai garé ma voiture très loin là-bas. Très loin. Et du coup, j'ai marché à pied jusqu'ici. Je vous mens pas, en plus je suis venu avec les parents. Donc du coup, ça va être un peu compliqué. Je pense que je vais retrouver la route pour venir ici en voiture. Comme ça, je vais les récupérer directement ici. Alors ici, vous avez en fait la cuisine. En fait, tout à l'heure, je suis arrivé, c'était vide. Du coup, je suis venu à l'intérieur et j'ai demandé est-ce qu'il y avait justement des serveurs. Donc, on m'a dit oui, bien sûr, il y a des serveurs. Et on va éviter. Ah ouais, d'un seul voiture. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai commandé. Voilà, on a préparé tagine et kifta, on s'appelle de la salade. Voilà, c'est cuit au four, enfin au bois, je veux dire, au charbon de bois plutôt. Donc voilà. Donc ici, il n'y a pas un menu à la carte, d'accord. Il n'y a que, on va dire, de la grillade et quelques tagines préparées à l'avance. Voilà. Donc ici, en fait, parfois les gens peuvent venir aussi s'installer ici quand il fait froid, quand il fait pas très beau, on va dire, à l'extérieur. Mais là, très honnêtement, le soleil aujourd'hui est au rendez-vous. Du coup, on va pas se priver. On va pas se priver et on va aller s'installer sur la terrasse. On va se rapprocher histoire de vous montrer un peu une meilleure vue. Vous voyez, comme vous le voyez ici, pas mal de gens. Apparemment c'est quelque chose de très connu plutôt. Donc voilà, vous pouvez aussi vous poser à l'ombre. Oh, bien. Ou alors venir comme moi, comme je vais le faire avec vous là de suite, apprécier tout simplement cette somptueuse vue, magnifique paysage. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici les gens peuvent venir pour se baigner, pour pêcher, pour apprécier le paysage, pour faire du jet ski. Voilà. Bon, en dehors de l'événement qui a lieu juste là au-dessus,
également le droit au calme. Un calme, normalement, voilà. Ah, ça y est, ils m'ont entendu, ils ont baissé le son, vous avez vu. Vous êtes en train de me dire, oui, mais il est en train de vous montrer les mêmes vues. Oui, oui, mais parce que moi, je suis en direct, là, je suis en train de regarder. Et je vous promets, c'est juste super beau ce que je suis en train de voir, là. Alors, bien que la natation soit interdite, sachez qu'il y a quand même des gens qui se baignent. Loin, là-bas. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de vous faire voir ce qu'il y a au-dessus, parce que c'est impressionnant de voir les moyens développés, enfin, déployés plutôt. Comme vous voyez, il y a des... D'accord. Non, moi je réfléchis pas. Ça va, cher. Et une fois, la petite fait une wahda. Il y a un petit peu de monde. On est quand même samedi aujourd'hui. Il est 14h30. Hein, 14h30, les gens ont compris qu'il fallait un moment se poser. Voilà. Vous voyez combien de voitures il y a. Bon, je vais accélérer quand je vais monter la côte, parce que je pense que vous n'allez pas trop patienter avec moi sur la côte. Mais tiens, je vais voir s'il n'y a pas un passage secret là. Non, je pense pas. Non. Bah, on va aller tout droit, hein. Voilà les amis, on y est, je vous dis pas, c'est vraiment épuisant. Maintenant l'idée c'est de rentrer à l'intérieur et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais je suis essoufflé parce que c'est fatigant. Je vais passer par là, tiens. Je vois qu'il y a une porte. On va rentrer à l'intérieur. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, déjà il y a écrit Intelsia. Ah ouais, voilà. Ouais, ça a l'air de travailler. Je pense qu'il y a un grand événement ici, ça. Ça bosse. Destine Adventure en pleine prépa. Avec toujours cette superbe vue. En fait, sur la route, si vous voulez, qui mène jusqu'ici, il y avait plein de drapeaux comme ça. Limite, c'est coucou, on est là. Voilà, tout à l'heure j'étais en bas là-bas. D'accord. J'ai dû monter tout ça pour ensuite arriver. Voilà. Le barrage, toujours là-bas. En attendant, je sais que ça va être très musical. Bonne ambiance. Mais en attendant, là ils ont l'air de kiffer. Ça serait bien de trouver quelqu'un qui fait partie du staff qui nous explique un peu ce qui va se passer.
Vous avez vu, en fait, c'est comme ça jusqu'au bout là. Voilà, il y a des tentes partout. Moi, je suis curieux. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Des tentes avec des lits de camp avec le strict minimum hein. Et je vous dis pas quelle chaleur il fait à l'intérieur, c'est un hammam. Voilà, vous en avez partout. Donc là, les gens qui vont venir ici, bah ils vont venir dormir ici tranquillement. Il y a même un plan voilà, espace soirée. Ensuite il y a voilà, toilette où dormir, tout ce qui est en rouge c'est des tapis rouges, tout ce qui est en gris c'est des tentes. Alors attends, on va essayer de revenir à l'accueil, donc l'espace soirée, tac, on va essayer de trouver l'accueil tiens, et puis on va essayer de poser la question aux gens. Ça va être... On va revenir ici, je pense que l'accueil doit être là. Voilà les amis, après avoir pris quelques informations, je viens de comprendre que en fait c'est un événement privé. C'est une société qui s'appelle Neo qui organise en fait un événement pour l'entreprise Intelsia, mais je pense que c'est pro Intelsia, donc c'est un événement juste pour les gens qui travaillent chez Intelsia. Voilà, je pense que c'est un cadeau fait par leur entreprise. Je sais pas si vous connaissez Intelsia, c'est une des plus grosses boîtes quand même au Maroc. Sinon pour le reste, je vous laisse fouiller sur le web. Moi, je vais prendre la voiture pour essayer de me rapprocher un peu pour récupérer les parents. Parce que ben, je suis pas à côté. Voilà, petite Skoda, tranquille. Chef, salam alaikum. Qu'est-ce que vous avez fait pour que je batte la tête? Ouais, je vais aller au restaurant qui est la tête là. Un khourouj? Ouais. D'accord, ok, superbe. La même. Ok, c'est bon, je vois à peu près. Ça fait? Ça fait, superbe. Je reviens bzef. Bon, et ben écoutez, on va aller rechercher la piste, comme il a dit. Et on va essayer de se rapprocher. Alors, est-ce que, à votre avis, ici, il y a la SS pour récupérer sa pièce? Bah écoutez, on va découvrir ça dans un instant. Juste que quelqu'un me court après. Mais j'ai pas l'impression qu'on va me courir après dans l'immédiat. Je sais, vous êtes en train de vous demander, mais comment fait-il? Il tient son téléphone et une main au volant. Ouais, et là je vais pas vous mentir, je cherche à mettre ma ceinture de sécurité, ça va pas être évident. Mais il y a toujours une solution. Voilà. En plus, je suis pas sur la bonne route. Voilà. En fait, je filme juste histoire de, voilà, histoire de filmer et d'avoir suffisamment de matière au niveau du montage. Mais en même temps, vous voyez tout. Voilà. Par exemple, là, il y a des chameaux, tu vois. On va ouvrir la fenêtre parce qu'il fait une chaleur dans la voiture. J'ai pas trop envie de mettre la clim parce que je suis tombé malade déjà la semaine dernière quand j'étais à Marrakech. Donc voilà. Là, tout à l'heure elle était elle venait à peine d'arriver quand moi je partais faire un tour là-haut, donc voilà. Maintenant il nous reste plus qu'à régler la note. Je
Je vous ai montré tout à l'heure un peu ce qu'on a mangé. Donc du coup, vous allez avoir un ordre d'idée du prix. Vous allez voir là-bas, je pense que c'est là-bas qu'on paye. Voilà les amis, pour tout ce qu'on vient de manger à l'instant, on a eu pour 320 dirhams.